samedi 27 septembre, les incroyables comestibles ont installé des bacs de fruits, légumes et aromates dans 5 espaces publics du Perreux-sur-Marne, proposant ainsi aux passants de les déguster. L'idée, c'est que vraiment toutes les personnes qui passent devant les bacs puissent se l'approprier, aussi bien dans la manière dont il va l'alimenter, mais aussi dans la manière dont il va lui également prendre en contrepartie ce qui va pousser. Tout citoyen qui est sensible à ce genre de démarche est bienvenu pour apporter son savoir-faire en jardinage ou ses plants ou ses semis, puisque l'idée, c'est que vraiment toutes les personnes qui passent devant les bacs puissent se l'approprier, aussi bien dans la manière dont il va l'alimenter, mais aussi dans la manière dont il va lui également prendre en contrepartie ce qui va pousser. Un mouvement créé par deux mères de famille dans le nord de l'Angleterre. Depuis, ces petits espaces de nourriture à partager se développent aux quatre coins du monde. Il y en a aujourd'hui plus de 400 en France. C'est un moyen de recréer du lien social, planter des comestibles en ville. On laisse le panneau nourriture à partager dessus. Il y a une explication de l'origine du mouvement en Angleterre pour que les gens prennent conscience qu'on peut consommer local, justement, avec les AMAP. Réfléchir un peu à comment on consomme et puis pouvoir communiquer ensemble, partager, planter et éventuellement se nourrir avec. Quelques semaines d'expérimentation pour ces bacs. Le temps de savoir si l'emplacement est pertinent pour ce type de partage.